Bonjour, alors après l'élimination de Céline, il faut savoir qu'hier je n'ai pas répondu aux dernières questions. Allez, c'est parti, je réponds aux questions, comme ça vous allez un petit peu vous rendre compte comment Céline a été éliminée. Puisque bon, il faut voir un truc, c'est que Madame Rose a eu quand même pas mal de questions difficiles hein, pendant tout le jeu. Alors ça a commencé, quel est le surnom du quartier de Brighton Beach à New York? Donc c'était Little Odessa, franchement ça c'est une question qui était vraiment dure. Ensuite, dans une partie de jeu de rôle, quelle personne désigne-t-on par les lettres MJ? C'était le maître du jeu. Encore une question super difficile. Je suis désolé si tu connais pas les jeux de rôle, tu connais pas la réponse. Voilà, c'est tout bête, hein. Ensuite, dans quelle région française se trouve le pays Bigoudin? Alors là, bon, heureusement, elle a poussé pour chercher. Pourtant, c'était assez facile. Un Bigoudin, c'est bien sûr, c'était la Bretagne. Alors après, il ne restait que 27 centièmes de seconde pour Madame Rose Delphine contre les maîtresses de midi qui soufflaient. Et là, voilà, le drame. Jean-Luc Reichmann qui a posé la question, qui fait 3 km. Alors, et surtout, il a pas donné la réponse. Et ça, j'ai trouvé ça assez rigolo parce qu'il n'a pas donné la réponse. Si l'on en croit la chanson de son générique, quelle héroïne de dessin animé, câline, coquine est toujours jolie. Alors, franchement, il restait, regardez, elle avait 2 secondes. Et là, à 1 seconde 32, il avait toujours pas fini de finir de poser la question. Donc, bah, elle n'a pas eu le temps de répondre. Et c'est même pas sûr qu'elle connaissait la réponse. Donc, voilà, elle a été éliminée, etc., etc. Donc, bon, elle dit que c'était la fatigue et le trou noir, je sais pas quoi, etc., etc. Moi, j'y crois pas. Hein. C'est juste que, bon, elle a eu des questions beaucoup plus difficiles en fin de jeu. Je crois que à partir d'une certaine somme, les questions deviennent beaucoup plus difficile parce que bon ben voilà c'est comme ça hein. Moi j'ai ma chaîne depuis 5 ans, je sais comment ça se passe donc voilà. Alors la réponse. Voilà, si l'on en croit la chanson de son générique, quelle héroïne de dessin animé et Kaline Coquine est toujours jolie. Jean-Luc Reichmann n'a pas donné la réponse. Pourtant ça semblait simple. Moi je suis désolé, j'en connais qu'une seule chanson de Nana. Les petites nanas, bien sûr, c'était Candy. Voilà, donc là, vous avez Kaline Coquine, toujours jolie, c'est Candy, Candy, Candy. Donc voilà, donc comme vous l'avez dit, donc elle a dit qu'elle avait des trous noirs. Moi, je dis qu'elle avait des questions beaucoup plus difficiles parce que c'était comme ça. Voilà, c'est tout. Bon, sinon, bah, Céline, je trouve que ça a été une candidate plutôt sympathique, très fair-play. Ça, j'ai adoré son côté fair-play. Qu'est-ce qu'il y avait? Non, je n'ai pas trop critiqué. Alors, surtout pas le physique. Hein, ça, franchement, on touche pas au physique. Qu'est-ce qui... Bon, c'est vrai que la pauvre, elle a été victime de pas mal de moqueries sur son physique. Ça, j'ai trouvé ça un peu dégueulasse. Non, moi, j'ai critiqué, comme je fais tout le temps, le comportement des maîtres de midi, sachant qu'ils sont avantagés. Je trouve qu'il y a un certain comportement qu'ils doivent pas avoir sur le plateau. Mais bon, après, bon, ils font ce qu'ils veulent. Hein, et puis, bon, il y a un truc qu'il faut savoir. Si j'étais que gentil avec les maîtres de midi... Franchement, ça serait chiant, ma chaîne, non? Vous trouvez pas? Donc, bon, c'est vrai, on peut pas faire bisounours. Oh, qu'est-ce qu'elle est gentille! Oh, qu'est-ce qu'elle est intelligente! Oh là là là! Bah, non, voilà. Non, non, et puis bon, j'ai critiqué aussi ses fringues. Mais un seul truc de ses fringues, c'était cette robe. Voilà. Franchement, Céline, si tu regardes cette vidéo, plus jamais cette robe. Alors, franchement, je trouve qu'elle est très, très, vraiment pas jolie. Voilà. Donc, bon, on a l'impression qu'elle a rajouté les bouts, là, sur les côtés. Là, franchement, je n'aime pas du tout cette robe. Donc, voilà. Bon. Allez, pour finir, Céline. Alors, pour les fans, vous avez t'es ok, t'es batte, Céline. Ou sinon, pour les autres, c'est ok, tu te barres, Céline. Et c'est fini, et t'es plus là, au-delà. Allez, je vous dis à plus tard, à tout à l'heure surtout. Bye bye.